s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, on n'a pas vraiment changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité reste la même, tous des tocards, tous des faux-culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charogne. Les massacreurs assermentés pour finir leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de y'en a cent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté les Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure et il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir la fille, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16e siècle, les vieilles traditions des villes, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coule à rouge et noir, une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces mythons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui venus se faire très loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vive Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup d'emmoulins. Être né sous signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne me dites pas qu'il est portugais. Font la fête au mois de juillet, un souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, peu d'artifices et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages, et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinecure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Vendanges en octobre, le raisin ferment en tout. Ils sont très forts de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Les pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre au salon de Tours, ils vont admirer parmi les derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est d'une tranga accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux qui sont toujours aussi moses, et à de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils ne rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindon marron. Être né sous signe de l'Hexagone, on ne peut pas dire que ce soit abandon. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions
de prétendants.